Bonjour, je m'appelle Fanny Sapp, je suis vigneronne en Bourgogne. Mon domaine est situé en Côte de Beaune, j'ai 4 hectares et demi que j'exploite sur 4 principales appellations qui sont Beaune, Pommard, Volnay et Meursault. Moi j'ai commencé mon premier millésime en 2006 et il est vrai que j'ai fait à l'inverse des autres. Je suis passée en premier en vinification pour venir après la viticulture. Et ce parcours-là me permet de comprendre maintenant qu'il est primordial d'avoir une très belle culture en vigne pour justement produire de grands vins. Qu'est-ce qui fait du vin? C'est la levure qui est sur le raisin. Donc nous, on essaye ici au domaine de travailler en levure indigène. Qu'est-ce que c'est la levure indigène? C'est la levure qui est sur le raisin, c'est la levure naturelle. On ne levure pas, on ne met pas de levure exogène, pas de levure œnologique. Pour avoir une belle levure, comme toute logique, il faut avoir une belle culture. Là, j'ai en ce moment un très beau projet qui tient à cœur de toute la famille. On a arraché et repris une parcelle dans les Pommards. Pour le coup, c'est un Pommard qui s'appelle La Chênière. Et on l'a arraché pour repartir pour 100 ans, quoi. Enfin, peut-être pas 100 ans, mais pas loin. Nous voici ici, dans les Chênières, sur la commune de Pommard. C'est une parcelle qu'on a arrachée cet hiver et qu'on va replanter l'année prochaine. Voilà. Donc, comme vous pouvez voir, c'est une vigne qui est bourré de fer, mais c'est la caractéristique des Pommards. C'est une terre rase qui fait des grands vins rouges, des vins de garde. Cette parcelle-là, j'en suis particulièrement fière parce qu'elle est dans la famille depuis longtemps et je vais être heureuse, moi, de lui donner une petite plus-value et de la transmettre moi-même à mes enfants ou à une autre génération,